Et salut tout le monde, c'est Mikra, on se retrouve pour un nouveau Steam Neo Festival en direct sur Twitch et en rediffusion sur YouTube. Comme chaque édition, on fait une demi-heure environ de démo de chaque jeu. Ce sera la même intro pour chaque démo d'une demi-heure qui sera légèrement montée pour une rediff YouTube. J'espère que ces vidéos vous plairont. Je vous laisse avec mon moi du futur sur Twitch, n'hésitez pas à... On n'est pas encore sur le Neo Steam Festival. J'aurais normalement fait une intro hors live. J'ai fait une intro hors live, normalement je vais la mettre. En live. Le Steam Neo Festival commence lundi. Probablement on fera pas un live lundi, que peut-être. Et là on n'est pas lundi. Donc j'enregistre cette vidéo sur le live où j'avais préparé quelques démos. Et donc là on est sur My Little Universe. Ok, il faut être proche des armes. Pour être franc, je sais même plus pourquoi je l'ai dead celui-là. Je crois que j'ai confondu avec un autre jeu. Je crois que tout à l'heure, live, je vous ai dit qu'on allait faire un jeu. C'est pas du tout ce jeu-là que je pensais quand je vous ai parlé du jeu. Ça fait rien. Mais j'ai un autre jeu du même style. C'est ça, je crois. J'ai bugué. Il pousse à la fin, quoi. C'est quoi le but du jeu? Je sais strictement rien. Ah, je crois que je m'informe avant de lancer des démos. C'est gentil. Vous croyez que je suis intelligent et tout. Faire des lingots. Je peux plus juste faire des lingots comme ça. Ah non, c'est du bois. Putain, nous allons attirer du bois. Des lingots. Je vais juste rentrer dans le truc. En fait, t'as même pas besoin d'appuyer. On est presque au niveau de l'autoclic, quoi. En fait, je vais littéralement pas la. Je touche littéralement pas là. Ouais, pourquoi pas. Bon, après, si tu veux pas une ressource, c'est un peu con. Faut éliminer. On n'a pas la pioche encore. Ah bah elle est là. Mais oui, pas vu, désolé. Ah, c'est pas tout infini. La roche, c'est pas infini. C'est du métal. Ah, on s'en repousse. Ah, mais oui, c'est ce jeu-là. Oh putain, c'est que maintenant que je me rappelle. Eh, quoi, je prépare mes lives, moi. Bah, non, c'est ça. On crée une planète, en fait. On est un créateur de planète. Ah, je pensais. Je voyais moins ça en mode automatique. En fait, la planète est déjà faite. On décide de l'agrandir en fait.
Je pensais qu'on pouvait choisir qu'est-ce qu'on plaçait, en fait, j'ai peut-être mal compris. J'avais mal compris tout à l'heure. Parce que là, en soi, si je découvre cette case... C'est une case qui était déjà là avant, quoi. C'est une case déjà définie. Alors, j'avais mal compris le concept... Après, c'est dans le sens, tu peux choisir quelle zone tu veux agrandir, comment tu veux agrandir ton terrain. Après, c'est la démo aussi. Oui. Ça se tient aussi. Non, mais c'est rien. Une caverne. Ok, d'accord. On est sous l'eau. On est dans l'eau. Couteau, bon, ça va, ta couteau. On n'a pas la clé. Et il y a un petit peu de. Complétion, on va dire. C'est pas le bon terme. J'ai un défaut, j'ai un truc que j'aime pas dans le jeu. Là. C'est que là par exemple moi si je veux aller là je peux pas, je suis d'abord obligé de débloquer cette case là pour pouvoir débloquer celle là je trouve ça un peu bête, le jeu est du coup trop dirigiste de ce côté là voilà, je vais mettre ça en... je mettrai peut-être ça au montage pour expliquer mon problème à un moment. Je pense que je vais faire un truc à la fin pour expliquer les 2-3 trucs que j'ai envers ce jeu. Ça fait quasiment une heure qu'on est sur ce jeu en live sur Twitch actuellement. Donc je peux pas dire que le jeu ne me plaît pas. Parce que j'avoue, j'aime bien. J'ai pas mal de reproches à lui faire. Par rapport, peut-être que j'ai mal compris la promesse du jeu. Déjà, je pense l'avoir dit au début du live, que je me semblais que c'était un monde où on s'écrasait, on choisissait comme un dieu, en quelque sorte, un peu comme un god game, qu'on choisissait comment créer notre île. En fait, sur cette planète, c'est pas le cas. Donc, peut-être que dans les autres missions, ce sera peut-être le cas. L'auto-farming. Parce que là, j'appuie strictement sur rien, hein. Juste, je bouge le personnage et il décide de lui-même de passer de la pioche à la hache, comme ça, aux ressources qui lui sont proches, aux attaques des mobs qui sont proches. Justement, au combat, je pense que je vais m'amuser un peu au montage. Je vais vous mettre un peu ce que le combat. Je trouve le combat... En fait, c'est le... Je pense que c'est le number one du problème que j'ai avec l'auto... L'auto-clip, l'auto-farm. C'est que le... L'attaque auto, je la trouve... Enfin, je trouve que ça enlève... pas mal de l'intérêt du jeu. Ça pourrait être mieux. Parce qu'avec cette... Cet auto-clip, en quelque sorte, c'est pas fou. Bon, on verra pas la fin, parce que je vais pas... Et je pense qu'il y a encore une autre ressource
à faire. Je suis pas fan. Que dire d'autre? Donc l'autoclic comme ça là. Le fait qu'on est obligé de, on peut pas choisir les cases qu'on veut. Je pense que je vais mettre en tâche de tuer une des choses que je veux dire par là. Donc le jeu, je pense, peut-être qu'on fera un live dessus. Peut-être. Si le jeu est pas trop cher. Un petit live. Franchement, si vous cherchez un jeu de farming, vous aimez farmer, mais sans vous prendre la tête, genre vous voulez regarder un truc en même temps, ça peut être intéressant. Comme ça, vous jouez tranquillement. C'est nos prises de tête. Je pense que c'est un jeu qui est à tout âge, hein, pour vraiment tout âge. Graphiquement, moi je le trouve très très joli. Après, on aime, on n'aime pas le style, mais c'est un style que j'aime bien. Il y a des petites choses qui sont assez sympas, genre par exemple, sympa dans le sens marrant, par exemple, où t'interdis de nager, t'as des requins qui te bouffent. T'as des trucs de transformation de métaux, de bois, tu peux améliorer tes outils. T'as plusieurs biomes, on mettrait un peu de trucs, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de potentiel, le jeu a pas mal de potentiel. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris la démonstration quand il a été montré en vidéo. Moi j'avais cru qu'on pouvait clairement créer une île avec des blocs comme là, mais qu'on pouvait choisir qu'est-ce qu'on mettait à droite à gauche. Si dans le jeu définitif c'est le cas, c'est un jeu clairement qu'on va avoir sur la chaîne. Si c'est ça le jeu finalisé à la fin, on fera qu'un seul live au maximum. Mais franchement, je vous recommande, le jeu est sympa. Il est un peu apaisant. La musique est sympa, même si je trouve que ça pourrait être encore mieux pour être un peu plus dans le thème chill and relax, on va dire. Je sais pas au montage combien de temps ça va faire à la fin pour cette petite vidéo YouTube. En tout cas, voilà mon petit avis sur cette démo. Je ne serai pas jusqu'à la fin, mais on a quand même pris presque une heure sur cette démo. Et vous voyez, ce genre de jeu que je peux faire, si on fait du just chatting, ça peut être marrant. Donc j'ai pas besoin de vraiment regarder l'écran et juste à bouger le personnage, il ferme tout seul. Il n'y a même pas besoin de bouger, par exemple, si je me mets ici, par exemple, pour fermer du bois. J'ai juste à attendre que le bois revienne et ça va refermer du bois. Je trouve l'intérêt assez simpliste, mais ça reste assez sympa, assez relax. Donc si vous cherchez un jeu relax et vous êtes du genre farmer à tout prix, vous voyez les ressources, j'ai même pas fait la moitié des types de ressources qu'il y a apparemment. Et on a fait le portail finalisation de quête apparemment, même pas à moitié, un peu plus de la moitié, allez, soyons généreux, parce que j'en ai mis 13 des roses. Donc voilà, c'était mon avis. Je sais pas si on fera un live dessus, mais si on fera des lives dessus, peut-être, peut-être pas. Voilà, j'espère que ce petit épisode rediff de live sur le Neo Steam Festival, qui en fait compte n'est pas encore commencé au moment où on fait ce live, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour aller voir les prochains épisodes qui arriveront bientôt sur le Neo Steam Festival. N'hésitez pas non plus à aller vous aussi checker les démos du Steam Neo Festival, avec pas mal de jeux indépendants, sympas, et puis chill comme celui-là, ou au contraire, d'autres jeux qu'on fera, et que vous verrez qui seront certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chill que celui-là. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, tout ça, et à nous retrouver sur Twitch, lien en description. Et il y a une playlist avec les démos des anciens Steam Neo Festival. Festival ? Ouais, vous m'avez compris. Ciao, ciao !